Coucou Cristiano. Coucou. Comment ça va? Très bien, et les copains? Bon, aujourd'hui on est à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Faire des herbies. On va préparer des herbies parce que dehors, regardez le temps. C'est juste très pluvieux. On ne peut pas du tout s'amuser dehors. Donc on a décidé de s'amuser à la maison. Et on va tester pour la première fois... Des herbies. Les herbies, oui. Donc je pense, les copains, que vous connaissez déjà les herbies. Donc c'est ces petites billes de toutes les couleurs qu'on va ensuite remplir en fait avec de l'eau, plonger dans de l'eau pour qu'elles puissent s'imprégner, absorber en fait tout le liquide pour gonfler de volume. C'est beau! Tiens, le deuxième sachet. Alors, je ne sais pas du tout s'il y aura assez. Donc, c'est la première fois qu'on fait des herbies. Hein. Waouh, c'est un petit peu un crash test. On n'a jamais fait ça, donc je ne sais même pas quelle quantité d'eau il fait. Enfin, il faut. Je ne sais même pas si ce qu'on a mis, ça va être suffisant pour pouvoir remplir le bac jusqu'au dessus. On verra bien ce que ça donne. Regardez. Waouh, c'est juste magnifique. Donc Cristiano va rajouter de l'eau. Donc je ne sais pas quelle quantité il faut. Hein. Là on va mettre au hasard. Vas-y, tu peux renverser tout doucement dedans. Vas-y. Ça va, c'est pas trop lourd. Allez, vas-y, remplis tout. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout l'eau? Ouais. Bon, on met tout l'eau. Et donc maintenant, donc ils disent qu'il faut attendre entre 4 et 6 heures. Oh, regarde, c'est déjà en train de se former. Oh. Regarde, là, ça fait un petit peu blanc. Vous voyez les copains juste ici? Ah ouais! C'est en train un petit peu de se modifier. Regardez. Oh, c'est chouette quand même. Hein. Regardez. Donc, on va laisser reposer ça toute la nuit. Et on verra bien ce que ça donne demain matin. Et on va faire une suite. Eh ben oui. Oh, regarde, il y a des billes blanches. Ouais. À demain, Chris. À demain. Donc là, on est 2 heures après la mise en place des herbies dans l'eau. Donc il faut savoir qu'il y a environ une demi-heure, on a rajouté de l'eau avec Cristiano. Et là, regardez, ils ont quand même bien gonflé déjà. Regardez, ça fait tac. Ouais. Ah, c'est trop bien. Donc on va les laisser encore gonfler toute la nuit. Là, il est, voilà, c'est la fin de journée. Et on verra ce que ça donne demain matin. Se retrouve le lendemain de la préparation des herbies. Donc là, on les a laissés gonfler toute la nuit et regardez ce que ça donne. Ils ont gonflé ou pas, Chris? Oui, regardez. Montre voir. Oh, on dirait une perle celle-ci, elle est trop belle, la blanche. Ouais, Maëlle, tu as vu les herbies? J'ai vu, Maëlle. Donc faut savoir que les autistes ont du mal avec les textures. Donc ça l'a intrigué, quand on a posé le bac ici, ça l'a intrigué. Il a voulu toucher et puis après il n'a pas osé. Mais on va essayer de voir s'il accepte de mettre la main à l'intérieur. C'est agréable ou pas, Chris? Oui. C'est très agréable? Oui. Alors montre voir ça de plus près. Qui a touché un petit peu. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de dégoût sur son visage. C'est bien, Maëlle? Alors, attends, je vais repasser derrière toi, mon Chris. Hop. Voilà. Maëlle, tu veux toucher? Alors, Maëlle, tu touches ou pas? Touche.
Tu mets ta main dedans? Je te propose un petit jeu avec les herbises. C'est quoi? Tu vas devoir retrouver à l'intérieur ces trois petites figurines. Donc je vous montre les copains. C'est des petites figurines qu'on a eues dans des Kinder, je crois. Ça fait déjà maintenant quelques temps. Donc on a ce petit smiley là. On a ce smiley avec des cœurs. Et on a celui-ci avec un casque sur les oreilles. Alors je me mélange sur les mains. Moi, je suis un milieu. Ouais. Ouais, d'accord, je suis un milieu. C'est vrai qu'il n'y en a pas encore assez, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On s'amuse avec ce qu'on a. Allez, c'est parti. Voilà. Là. Là. Et ouais, ils sont ressortis. Il n'y a pas assez d'herbies. C'est dommage. Alors, on profite qu'il y a un brin de soleil dehors. Pour les mettre à l'extérieur, ça va peut-être les sécher un petit coup et vous allez peut-être mieux voir la couleur. Regardez comme c'est trop trop beau quoi. Regardez, il y a un petit pot des herbes. C'est beau hein, Cristiano? Oui. Je vais faire un jeu avec ces lulus. Avec les petits smileys qu'on a essayé de cacher, oui. Mais finalement, bon, ils ne s'étaient pas cachés bien longtemps. Bah ouais, il n'y a pas assez. De toute façon, on ne savait pas la quantité qu'il fallait, nous. Hein. Quand on a acheté les sachets, on ne savait pas si ça allait être trop peu ou beaucoup trop. C'était un petit peu un crash test, hein, comme je vous ai dit hier. Oh, c'est trop c'est bien. C'est très agréable. C'est trop agréable. C'est joli, regarde elle. Regardez les couleurs. Ça, je pense que c'est un super jeu quand il fait très chaud dehors. C'est tellement frais avec le fait qu'elles aient absorbé de l'eau que je pense que quand il fait très chaud, ça doit rafraîchir de jouer avec les herbies. Ça doit être juste idéal. Donc, je pense qu'on refera cet été des jeux avec ça. Je ne sais pas, peut-être en commandant encore quelques sachets et en remplissant la piscine gonflable qu'on a l'été. À voir, je ne sais pas encore. Et voilà, cette vidéo s'arrête là. Si vous avez aimé le concept de la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour pouvoir nous suivre dans les prochaines aventures. D'ici la prochaine vidéo, on vous dit à bientôt les copains. Ciao, ciao.